tout à tous, on joue pour une nouvelle vidéo. Donc on se reprend là, plus ou moins on s'est arrêté la dernière fois. Donc je reprends la sauvegarde automatique. Et il s'est passé une petite chose que je ne voulais point. Ça veut dire que j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Voilà. Qui dit oublier de lancer l'enregistrement dit avoir un tout petit problème quand on reprend. C'est qu'on perd des une partie du jeu, et vu que j'ai pas sauvegardé avant, j'ai perdu quand même plusieurs minutes. Quasiment, je crois qu'on s'est arrêté juillet, voire même août. Et on est en mars de l'année d'après. Donc je m'en excuse encore une fois. Je suis vraiment désolé. C'est rien que ma faute. Et j'aurais aimé vous présenter un bug. Donc je vais vous expliquer le bug, c'est que dans notre partie, en tant que roi, on peut avoir sous son autorité des républiques, par exemple Pise, Venise, et quand il vous apprécie, il vous donne parfois, moi ça m'arrive très souvent dans mes games là, qui me donne 300 d'argent parce qu'il m'apprécie. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment c'est possible, vu que j'ai Pise justement et Venise, qui m'ont donné chacun 300, or que je ne vois aucune raison qui m'ait donné 300. Vous voyez, voilà, on est sympathique, voilà, c'est voilà, on est 17 en opinion. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on m'ait offert 300. Donc, ce bug-là, je vais en profiter, je vais pas gagner. J'ai rechargé une année avant, tout ça. Et le fait, c'est que ce bug-là, en fait, il vient à chaque fois que je rends ce bordel. Et moi, personnellement, je suis là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais contre ce bug. Je sais, il y en a, ils me diront, oh bah, profite du bug, tout ça. J'aime pas profiter d'un bug, sachant que ça me donne un avantage considérable. Bah, vous voyez, j'ai gagné 600 de cash sans rien faire, j'ai une armée qui me coûte quasiment 150 d'un coup. Je suis désolé, c'est... C'est pas amusant. Voilà, donc je vais faire avec, hein. Il y en a beaucoup qui disent, oh bah c'est bien, au moins c'est sympa. Moi je reste sur mon avis que ça me plaît pas de qui est ça. T'es excommunié, c'est qui est excommunié? Je pose le suivi. Donc voilà, moi personnellement ça m'énerve quand même. Je vais pas gagner, c'est... J'aime pas jouer à un jeu quand... Gagner quand j'ai des bugs comme ça, vous voyez, là je gagne une guerre qui aurait normalement dû être compliquée, je la gagne avec une facilité déconcertante parce que je peux acheter des troupes là. Certains me diraient, bah ne les achète pas. Franchement ça a changé quelque chose. Si je les achète pas, je vais les dépenser là-dedans, donc au final je les utilise l'argent. Autant me dépêcher à finir une guerre, voilà, moyennement intéressante. Moyennement, bien évidemment, à cause de cette histoire-là. Plutôt que de développer. Ce que le problème, c'est que si je développe trop avec ça, à long terme, je vais devenir beaucoup plus puissant que j'aurais dû l'être normalement dans une vraie partie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va faire avec le bug, hein. On peut pas changer ce qui est, il y a le bug. Hein. Donc on va faire avec, hein. Taille de escorte plus de 100%, taux de renfort des troupes plus 10%, ça c'est bien au moins. Bon, on va faire avec, hein. De toute façon j'ai pas le choix, hein. J'ai le bug. Hein. Et quand j'y réfléchis, il y a quand même un truc qui est quand même sacrément surprenant. C'est que malgré que j'ai rechargé ma partie, j'ai eu deux fois l'histoire. Bon, bah. Si jamais il y a une personne qui sait pourquoi j'ai eu ça, hein, qui me le dise, parce que personnellement, j'aimerais vraiment savoir comment ça se fait que j'ai eu ce bug. Hein. Donc voilà, c'est... J'en serais reconnaissant. Bon, on va continuer, hein, malgré cette petite histoire. Hein. Et pour ça, nous allons faire la guerre. Hein. Et en même temps, je l'ai pas dit, mais j'ai gagné la revendication sur le comté d'Amiens. Pourquoi j'ai eu, bah, grâce à monsieur là, qui
fabrique des revendications. Il m'a eu une revendication sur un mien, voilà. Ça a touché à ça, mais bon, ça a pas beaucoup touché, hein, faut dire ce qu'il y a. Vu ce que je me fais en point. Là, je contrôle entièrement Orient. Yes. Impôt des cités minimes. Il m'apprécie. Donc voilà, je peux me permettre. Il m'apprécie tout ça, c'est. En plus, c'est que sur une durée limitée, donc ça va pas trop me pénaliser. Voilà. Et hop, offrir à paix, appuyer les exigences, voilà. Bah bon, maintenant. Valois. Deux secondes, Valois, attendez deux secondes, duché dur, Valois. Refusé. Disons que ce qui va se passer, c'est que je vais le déclarer à guerre. Allez. Donc je l'ai emprisonné, donc voilà. Hein, voilà. Mais on s'en fout. Hop. Et hop. Donc lui on va déclarer la guerre. Appuyer toutes les revendications, oui voilà. Et je redéclare la guerre en appuyant cette fois-ci toutes mes revendications. Hein. Et voilà, j'ai 2000 hommes, c'est déjà mieux. Bon, impôts, je gagne. Mes impôts sont toujours pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il a compté de Troyes? Ah le bordel. Je suis pas tout ce qui se passe dans cette guerre, hein, franchement. Il veut que se tuer, il se tue, moi je m'en fiche quand même. Guerre sainte, moins 98%, allez hop, direct net, hop. Donc voilà. Alors, j'ai 2000 hommes, on va à Main, on capture Main. Voilà. Donc alors là, je vous ai montré une nouvelle possibilité, c'est qu'on peut, quand on déclare une guerre, appuyer toutes ces revendications d'un coup. Comme lui, j'avais plusieurs choses, voilà, croisade encore échoué, comme d'hab. Et là, par exemple, je pourrais me permettre de faire un complot, par exemple. Et hop. Allez hop, voilà, hop. Boum. Par exemple, là. Et hop. Lui, je sais qu'il va m'aider, par exemple. Là, suffit qu'on ait un complot suffisamment puissant, et je pourrais... Voilà, hop. De Normandie. Oh là, il tombe une sacrée douche. Donc voilà, c'est... Oui, c'est comme ça que marche un complot. Hein. Bon. Là, je vais annuler le complot quand même. Hein. C'était juste pour présenter comment ça marche quand vous pouvez appeler beaucoup de personnes. Voilà, c'est ça marche comme ça un complot. Et la Castille a pris la Bretagne. Oula. Quoi cette histoire? Bon bah des histoires de mariage comme d'hab. Hein. Bon. Mmh.
Alors bientôt, techniquement, mon escorte, je peux avoir un cas d'homme. Un cas 6, d'accord. Un cas 2 pour ça. Total 1700. Alors attendez 2 secondes. Si on peut mettre en vitesse 3, ça devrait aller. Alors, alors, 348, 58, total 1740. Donc avec 1740, je peux avoir jusqu'à 1600 d'escorte. Donc je vais prendre... Est-ce que je prends plus... Guerre d'indépendance, d'accord. Hop, on va pas maxiser. Normalement, il devrait se faire avoir. Hein. On ne sait jamais, hein, si ça marche, ça marche. Hein. Personnellement, il est plus facile à renverser le duc de Normandie qu'à renverser le royaume de Danemark quand même. Bon, d'un côté, c'est bien au moins. On récupère notre force petit à petit. On va pas s'en plaindre. Hein. Donc alors, je peux avoir ces escortes là, hein, en tout cas à Grigourde. Je me demande toujours si en fait c'est toujours raisonnable de prendre une escorte aussi puissante quand même. Voilà, je sais qu'à Cavalry-Hourde c'est une armée très puissante, mais vous n'avez pas beaucoup de troupes, vous voyez, 1600 hommes pour 500 hommes. Bon, je vais tenter, voilà, ça me permettra d'avoir plus de Cavalry-Hourde, on va dire ça comme ça. Hein. On va voir, je sais pas si c'est bien. Parce que ça prend. J'ai option escorte depuis un moment, mais j'ai jamais vraiment porté attention dessus. Et j'ai vraiment envie de savoir, donc on verra. On va voir ce que ça donne ici ensemble. Hein. Comme ça, à coup d'œil, je conseillerais plutôt de prendre le premier détachement et le deuxième. Comme ça. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Bon, je sais pas si c'est ma meilleure idée que j'ai eue de l'année, mais bon. On va voir, on va voir. Donc, ça me permet, là, j'aurai 1700. Ça permet d'avoir une armée, en fait, une fois qu'elle est recrutée à 100%, ça, je sais comment ça marche, ça me permet d'avoir une armée, en fait, qui me coûte rien. Ce qui me coûte, en fait, c'est de mettre en place l'armée. Et une armée qui coûte rien, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Et surtout, quand vous déclarez la guerre, c'est pas vu que c'est comme des mercenaires, c'est considéré. Quand vous déclarez une guerre, c'est des mercenaires sur un territoire ennemi. Vous pouvez déclarer la guerre, tenez que c'est pas l'armée que vous avez levée. Et de plus, ces escortes ne vont pas partout au site Lost. Donc, d'un côté, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Mais bon, on va voir si mon idée marche bien. Hein. Construction navale, je m'en fiche complètement. Allez hop, ça on augmente. Allez hop. Hop, quelques points comme ça on finit un peu tout là quand même. Bon, au moins le bon point c'est que l'armée se reconstitue vite. Hein. Se constitue vite plutôt.
54 soldats par mois, donc c'est plutôt un bon chiffre. Là on peut voir que piquier vers d'attaque en mêlée, c'est plutôt bon. Ah non. Ça c'est marrant, par contre l'autre il va à tout prix que je l'aide, mais non. Non, moi j'aiderai pas. Mon armée c'est du léger en grande partie, un peu de lourd, un peu de cavalerie légère et quelques archers, voilà. Donc personnellement je sais l'avantage d'avoir de la cavalerie lourde, c'est quand vous allez la charger, c'est que vous faites beaucoup de dégâts comparé à l'infanterie lourde. Donc au corps à corps c'est vraiment une très bonne unité. Mais je sais aussi que je sais pas, c'est toutes mes revendications en fait, donc je préfère attendre. C'est des courtisans le problème qui me reste. Donc. Allez hop. Ouais, c'est pas trop mal si des escortes sont en train de garder, ça me fait quand même 1000 hommes de plus comme ça, quasiment sans rien faire. Ce qui est énorme, hein, 1000 hommes de plus comme ça sans rien faire. D'ailleurs j'ai une revendication sur qui maintenant? Disons, c'est ça. C'est ça. Donc fabriquer des revendications. Je vais aussi revendiquer la Normandie, étant donné que c'est un des endroits où vous pouvez avoir le plus d'hommes, la Normandie. Et là, par exemple, la personne là, Pise, hein. Par exemple, si vous êtes, comme je l'ai expliqué avec le bug, si vous êtes supérieur à Pise, vous n'êtes pas en royaume, tout ça, vous pouvez gagner des trésors de la part de Pise. Voilà, nous avons 1000 hommes là maintenant. Et voilà, maintenant que l'armée est complètement opérationnelle, vous constatez que ça me coûte plus rien pour la femme. Donc en gros, j'ai une armée gratuite. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut dire. J'ai une armée gratuite. Ce qui me coûte cher, c'est de la mettre en place. Mais une fois qu'elle est en place, ça coûte plus rien. Donc alors, je vais continuer à améliorer alors camp de tir à l'arc si je peux. Non, je peux pas. Parce que ça augmente quand même ma taille de l'escorte de plus de 20. Voilà, donc c'est pas négligeable du tout quand même. Eh hey, mais c'est incroyable. On a une de ces chances là, c'est que je viens d'avoir deux revendications coup sur coup là. Il suffit que j'en revendique encore un de trucs, donc encore une partie, je pourrais déclarer la guerre à Normandie. Si j'en ai trois, je pourrais déclarer la guerre à Normandie et récupérer ces trois parties-là. Et surtout, usurper le duché de Normandie et récupérer ce qui manque de Normandie. Donc ça veut dire que je serai en quelque sorte le roi de France. Ah tiens. En gauche détruit. Je suis en supériorité numérique, c'est normal que je gagne. Hein. Ah bon, pas trop mal l'escorte. Hein. Ça m'a permis d'avoir des troupes en plus de gagner. Vraiment m'énerver.
Donc voilà, alors. Non, c'est pas une partie du duché du jour d'Anjou. Ah non. Je croyais. Et Amiens n'est plus... Oh là là. Donc en gros, je fais un peu une guerre pour rien. Je croyais que... En fait, je m'explique, je croyais que Maine était sous l'autorité d'Anjou. Ça faisait même duché. Mais en fait, pas du tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris Maine un peu pour rien. Bon, tant pis. Tant pis, bon. Ça ne m'empêchera tout de même pas de prendre maintenant de rendiquer Rouen. D'ailleurs, je prends lui déjà. Je peux... On va vite que ça se retourne chez moi par contre. Comté de Vexin, d'accord. Et hop, on revendique Amiens. Voilà, hop, guerre finie déjà. À 279 hommes. Ah, j'ai plus peur quand même. Ouais, bon, ça va être une guerre rapide quand même. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Voilà. Bon. Les guerres se passent plutôt bien, c'est déjà la bonne nouvelle au moins. Qui m'intéresse là. Alors 25 duc, alors c'est qui lui? La Flandre, non. Succession élective en France. Moi tout seul, j'ai une armée immense en fait. C'est ça qu'il faut regarder, j'ai une armée immense. Alors je suis curieux de savoir. Quasiment à moitié des troupes du suzerain, je suis capable d'amener. C'est énorme, faut pas le nier, c'est... Ah, il voudrait la paix. Très bien s'il veut la paix. Oui, là je vais... Alors... C'est la technique que je fais, hein, vous voyez. J'ai que des comtés, donc ça pose problème. Comté là, j'ai envie de le garder, étant donné que ça... Wow. Non, faut pas que je perde celui-là, sinon... Comté de Maine, hop. Comté de Maine, quel vassau... Allez, Vendôme.
Accord de titre foncier, comté de Maine. Voilà. Le duché de Bavoise est quasiment anéanti. Hein. Hop, une nouvelle guerre. Ah oui, bah, vous avez quand même une autre guerre. Hein. Y'a pas à nier. Hein. Cette armée, mais bon, il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont arriver. D'ailleurs, je constate qu'ils subissent pas beaucoup de pertes quand même, les troupes. Je sais pas si ça vient de l'ennemi qui est nul ou niveau perte, j'ai quasiment rien. Toujours en train de faire les gardes et les communications, cela. Pourquoi personne me soutiendrait? Voilà, comme ça, moi, ça me permettra pas de m'en occuper de ça. Invasion, donc je peux envahir parce que d'accord, intéressant. Mais évidemment, hein, c'est un peu tout, c'est toujours pareil les guerres. Hein. Il y a toujours des personnes qui viennent aider, même quand ils connaissent pas les raisons. Et là, on va attendre pour infrastructure du château. On va encore augmenter d'un niveau. Par contre, je constate que l'escorte fait beaucoup de dégâts. C'est incroyable ça, l'escorte est d'une efficacité, une très grande efficacité, il n'y a pas à nier. décembre 18, j'arrive au 18, donc techniquement, il a bougé en même temps, techniquement il pouvait fuir je pense. Et voilà. Nous avons mouru et 310. Oula, oh les richesses que j'ai en mourant. Bon, bon, alors paresseux, ça je déteste. Cléreux, oh. Quel manchot j'ai. Hop. 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 C'est vrai que mes niveaux diplomatie là. Oh là 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 là. C'est une catastrophe que j'ai. J'ai un gars, ça va être marrant, hein. Bon. Et. Voilà. Nous avons beaucoup d'argent, par contre c'est un très bon point. Et nous allons faire la caserne niveau 3. Parce que l'on le vaut bien.
Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de diplomatie, ça c'est un gros problème. Qui dit pas de technologie dit bien évidemment tout problème qui va quand vous n'avez pas de technologie. Pas de diplomatie. Vos vassaux vous font la gueule. Et pas qu'un peu, vous pouvez constater tout de suite que quasiment personne ne m'apprécie. Et je vais probablement diminuer. 10. Je diminuerai peut-être certaines lois. Surtout au niveau des impôts. Escorte, hein. Elle était bien escorte, mine de rien. Ah ouais, j'ai une héritière pour tout, normalement. Bon, pas grave, une défaite, ça arrive, hein. D'accord, c'est Roi d'Angleterre qui m'attaque, d'accord. Oh mais très bien, hein. Alors choisir un complot, bien évidemment, hymne à la duchesse, non. Je vais te libérer, toi. Non, complot, là, ça serait... non. Moi qui ai une faction déjà. Je sais pas, franchement. Ah non, d'accord, en fait je suis en guerre contre l'Angleterre parce que il veut récupérer ça aussi, ben dis donc. En fait je suis en guerre contre la Normandie. Ah, c'est un peu compliqué cette histoire. Bon. On va essayer de vite... On va stopper là, je dirais plutôt. Parce que ça commence à être long cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et passé un agréable moment en ma compagnie. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et vive le jeu vidéo.